béton sans malaxage. Ce béton prêt à l'emploi conditionné en sac de 25 kg est idéal pour la réalisation de petits scellements. Il peut être utile dans de nombreuses circonstances, notamment dans la mise en place et la fixation d'une multitude d'objets divers, tels que ceux présents sur cette image. Usages exclus. Ancrage de barres d'acier d'armature. Scellement et bétonnage d'éléments structurels selon la norme NFEN 206EN. Réalisation de semelles de fondation. Sur sol en pente. Consommation. Un sac de 25 kg, pour un trou carré de 25 cm sur 25 cm, et 30 cm de profondeur. Pour un trou de scellement plus profond, ou plus large, on peut utiliser plusieurs sacs, en respectant les dosages d'apport d'eau en fonction du nombre de sacs. Béton sans malaxage, scellement en sol extérieur. Mise en œuvre rapide, facile, en 3 étapes, sans outils. Premièrement, humidifier les parois et le fond du trou. Ensuite, verser le béton sans malaxage dans le trou. Mettre en place et ajuster le positionnement de l'objet à sceller. Là, pour l'implantation de ce piquet, vérification de l'aplomb. Versez ensuite l'eau à la surface, 3,5 litres pour un sac. Progressivement, l'eau est rapidement absorbée. La prise est rapide, elle s'effectue en 5 minutes seulement. 20 minutes après, le durcissement est accompli, la résistance est déjà vérifiable. Cela permet en peu de temps, comme pour cet exemple, de mettre en place et sceller tous les piquets nécessaires à la réalisation de cette clôture. N'hésitez pas à visiter notre site bâtir-sa-maison.net ainsi que de vous abonner à notre chaîne YouTube.